Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je vais recevoir pour vous Maman Docteur Kanku. Je crois qu'elle était la dernière personne que j'ai à recevoir avant la publication des résultats des candidats présidents. Alors, pas trop de commentaires. Avec elle, on va pouvoir s'entretenir à propos des résultats, bien sûr, et puis de tout ce qui se passe tout autour de ces résultats, des marches d'une part et puis des contestations d'une autre part. Succès aussi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment acclamé, qui ont vraiment salué la victoire du président Félix Tshilombo Tshisekedi. Rapidement, je salue mon invité, Maman Docteur Kanku. Bonjour Maman Docteur. Bonjour mon frère, bonjour fils de mon pays. Vraiment content de vous recevoir maintenant. Vos impressions, les sentiments après les résultats. En tout cas, nous sommes enchantés, nous sommes très contents. L'Éternel a prouvé à la face du monde qu'il est le Dieu qui écoute les prières et qui les exauce, comme dit la Bible dans Psaume 65. Il a entendu nos cris de SOS, il est venu à notre secours. Trop de contestations, Martin Fayulu vraiment s'est mis debout pour dire non au résultat. C'est lui l'élu, c'est lui le président du Congo. Vous savez, la Bible dit que celui qui vous fera du mal, votre ennemi, c'est un membre de votre famille. Et on a toujours dit, il faut regarder qui est derrière vous. Et Satan n'a trouvé personne d'autre que le soldat du peuple. Nous comprenons ça. Parce que nous savons que notre pays est un pays stratégique. Et les impérialistes qui l'ont toujours exploité, depuis le roi Léopold II jusqu'aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher. Alors ils ont vu cette fois-ci qu'on va avoir un dirigeant nationaliste, on va avoir un gouvernement du peuple, ça ils ne tolèrent pas. C'est pour ça qu'en dernière minute, ils ont arraché notre frère. Mais nous continuons le combat. Nous savons que la victoire est notre. Dieu qui nous l'a donné ne va pas permettre qu'on nous l'arrache. Ah oui, Dieu est notre. Je crois qu'il y a la Belgique, il y a la France. Et puis, comment vous trouvez toutes ces chaînes aussi de télé qui confirment la victoire de Martin Fayulu? Et la Cinco aussi le confirme. À quel jeu joue l'Église catholique? Ah, comme Jésus disait, ils font le travail de leur père, hein? Et nous aussi, nous faisons le travail du nôtre. Ça fait depuis 1997 qu'on tue les Congolais. Le génocide congolais qui est la suite logique du génocide rwandais. On n'a jamais entendu ces médias faire du bruit. Même mentionner, 16 millions de Congolais ont été décimés. La MONUC est là. La MONUC ne fait que compter nos morts. Donc c'est peut-être 20 millions, on ne sait pas. Mais ces médias n'ont jamais rien dit. Alors, on n'est pas surpris qu'aujourd'hui, ils viennent maintenant pour fourrer leur nez dans nos élections pour nous dire que les résultats là ne sont pas corrects. Mais ils étaient là en 2006. Ils étaient là en 2011. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple congolais? Cette fois-ci, le peuple congolais se prend en main. Et il va défendre sa victoire. Ah oui, Bemba, les amis d'hier, Moïse, les amis d'hier, aujourd'hui, des vrais ennemis. Pourquoi cela? Si tôt amis, on est devenus des vrais ennemis. Ils ont vraiment géré, c'est Fayulu ou rien. C'est seulement de la cupidité, cupidité et manque d'amour patriotique. Parce que nos frères, dès qu'ils étaient... ce n'est même pas que depuis qu'ils sont exclus. Katumbi, on sait, depuis qu'il a fait son cirque au Congo, opposant, malade, dehors pour se soigner, et il a fait des déclarations là-bas, tout ce qu'il a fait, c'est signer des contrats avec ses impérialistes pour venir régner sur le Congo comme il avait régné au Katanga. On dit qu'il a développé le Katanga. Qu'est-ce qu'il a développé le Katanga? Il a pillé le Katanga avec ses amis impérialistes. Et c'est ce qu'ils veulent faire.
Mais on cherche à tuer Félix Tshisekedi. Il y a des rumeurs qui ont circulé que Félix Tshisekedi est vraiment en danger. Le plan est qu'il soit éliminé physiquement. Ces gens sont capables de tout. Nous savons que dans leur charte de l'impérialisme, ils ont décidé que tous les gouvernements du tiers-monde, l'Afrique compris, des gouvernements qu'eux-mêmes n'ont pas établis, sont illégaux et illégitimes. Et que si les leaders nationalistes insistent, ils vont aller jusqu'à le supprimer physiquement. Nous connaissons ces choses-là. C'est pour ça que nous gardons nos yeux fixés sur Dieu. Nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, celui qui a donné sa propre vie pour nous sauver. Il ne sauve pas seulement les humains, une personne. Il sauve des familles, il sauve des nations. Et parlons de Félix Tshisekedi. Vous croyez qu'il aura la main libre de travailler? Parce que on dit que ce n'est qu'une marionnette de Kabila. Donc tous ces Kabila, donc rien n'a changé. Vous savez, la Bible dit que le cœur du roi est comme une rivière dans la maison, dans la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui conduit. Le fait que Kabila n'a pas fait proclamer Chadari, ça montre que ce n'est pas lui, c'est l'Éternel qui a agi. Parce que toutes les dispositions étaient déjà prises pour proclamer Chadari. Vous allez dans la rue, les hélicoptères étaient là, les chars de combat étaient là, ça devait être le chaos. Et il y a, je me rappelle, il y a un prophète, je ne sais pas s'il est d'ici en Afrique du Sud ou aux États-Unis ou au UK, parce qu'il parle un anglais qui n'est pas de l'Afrique du Sud. Il avait dit, et ça c'est depuis le mois de septembre, il a dit l'Éternel m'a donné un message pour le peuple congolais, que ces élections-là vont être très difficiles. Il disait, je vois qu'on est déjà en train de semer. On fait des semences pour provoquer des troubles, qu'on va même empêcher la population de faire sa participation. Et il avait dit ceci, ce prophète, il n'y a pas une force au monde qui est capable d'enlever le PPRD du pouvoir. Et que ça sera sûrement Chadari. Lui n'a pas dit Chadari, il a dit Emmanuel. Il a dit, it will be Emmanuel, but he is not a savior. C'est une marionnette manipulée par un dictateur. Donc nous savions et nous prions pour qu'il ne nous impose pas Chadari, parce que le peuple était prêt à aller s'offrir à ses chars de combat. Et on a vu qu'en dernière minute, bien que toutes les dispositions étaient là, il n'a pas fait proclamer Chadari. Qui allait l'empêcher de faire ça? C'est Dieu qui a empêché ça. Alors ce Dieu qui a commencé ce travail, il va le compléter. La Bible dit, lui qui a commencé cette belle œuvre, il va aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est quoi pour l'Éternel? C'est ce temps où il visite le Congo pour libérer le peuple congolais, libérer toutes les richesses qu'il a mises là-bas, afin que le peuple congolais puisse se réjouir et être équipé pour sillonner le monde entier avec l'évangile du royaume. Pas l'évangile du salut qu'on nous a amené pour être prêt à aller au ciel. On ira au ciel. Mais l'évangile du royaume pour vivre ce que Jésus a dit dans Jean 10:10. Et un mot au peuple qui a marché aujourd'hui en France contre Félix Tshisekedi. C'est l'ignorance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne savent pas quels sont les détails de l'alliance de Genève. Ils ne connaissent pas, ils ne cherchent même pas à savoir. Mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qui a été signé à Genève? Genève n'a pas donné un candidat commun de l'opposition. Genève a signé pour donner un porte-parole de l'opposition, combattre la machine à voter et combattre les élections. On ne devait pas avoir des élections. Donc c'est déjà un miracle que les élections aient eu lieu au Congo. C'est un miracle. Ceux qui ont marché, ils marchent pour que ça soit Fayulu. J'ai entendu des Africains. Un Africain a dit, l'Afrique doit soutenir le Congo. On est en train de les diviser. Est-ce qu'on peut avoir deux présidents? Non. On veut avoir deux présidents. On va les équiper, tous les deux, pour qu'il y ait une guerre au Congo. Et qui va gagner quand il y aura cette guerre? Ceux qui fabriquent les armes. Ce sont eux qui vont gagner dans la guerre du Congo.
et c'est nous qui allons encore perdre. Mes frères doivent, mes soeurs doivent s'informer. Ils cherchent quoi? Ils veulent mettre Fayulu. Fayulu ne sera pas le président des Congolais. Fayulu va encore être une autre marionnette. Ils ont déjà signé beaucoup de contrats. Pas lui, Fayulu. Katumbi et Bemba ont déjà signé beaucoup de contrats. C'est pour ça qu'ils ne voulaient même pas mettre Fayulu président pour son mandat de 5 ans. Non! L'accord dit que toi, tu vas aller là-bas pour 2 ans. Et puis tu vas organiser des élections. Donc, nos frères doivent s'informer. C'est ça que Fayulu va faire. Fayulu n'a pas les mains libres. Ils disent que Félix n'a pas les mains libres. Félix va régner par la grâce de Dieu. Le Dieu qui a fait qu'on le nomme, c'est ce Dieu-là qui va rendre les choses possibles. Parce qu'il dit, dans Ésaïe 28 que c'est lui qui va faire ces choses-là. Ce n'est pas Félix. Qu'est-ce qui a fait que Kabila laisse proclamer Félix? Nous voyons avec nos yeux physiques. Oh non, ils ont fait, et comme ça Kabila va avoir la majorité au Parlement, et comme ça qu'il va être voté et président du Sénat, il va être sénateur à vie. Même s'il n'avait pas fait des alliances avec Félix, il allait toujours être sénateur à vie en tant qu'ancien président. Les prophéties ont dit que Kabila ne doit pas mourir au Congo. Il faut annuler cette malédiction qui fait qu'il n'y a pas un ancien président au Congo. Chaque fois, ils sont tués pour qu'il y ait un nouveau. Le sang de Kabila ne coulera pas au Congo. C'est pour ça que dans le physique, il a fallu signer tout cela pour le préserver sa vie. Et finalement, on doit penser à l'Afrique. Aujourd'hui, je parle plus pour l'Afrique. Parce que nous sommes un pays, on nous a divisé seulement en 1885. Nous sommes un pays, on nous divise pour bien régner sur nous. Le Rwanda a déjà une usine là-bas qui transforme notre coltan. Vous pensez que le Rwanda va fermer cette usine? L'Ouganda a eu déjà une usine qui va fabriquer des voitures électriques. Vous pensez qu'ils vont fermer cette usine? Nous devons considérer que nous sommes un pays, on nous a imposé des frontières artificielles. Nous devons penser Afrique. Nous devons nous entendre entre nous. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'entendre avec Kabila? Parce que si on ne s'entend pas avec Kabila, son sang va couler. Et ça veut dire que Félix aussi, son sang coulera aussi. Non, cette malédiction-là, c'est terminé. Félix va régner par la grâce de Dieu. Il va régner par la grâce de Dieu, je crois que Maman Kankou, juste un message à tous les Tshisekedistes qui n'ont plus la foi, qui sont vraiment découragés vu tout ce qui se passe. Qui va décider la Cour constitutionnelle à propos du cas de Martin Fayulu? C'est ça, là où, c'est là où le bas blesse. Les gens se demandent, est-ce qu'on va annuler les élections? Est-ce que... Alors, beaucoup de zones d'ombre dans la tête, dans les têtes de gens. Alors, juste un mot d'encouragement. On ne va pas annuler les élections. Parce que l'Éternel dit que ce jour-là, et nous avons intercédé, nous avons considéré que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, où Fayulu a amené son appel à la Cour constitutionnelle des hommes, nous avons amené ce dossier devant le trône de Dieu. Et la Bible dit qu'en ce jour, l'Éternel est l'esprit de justice. L'Éternel va habiter ceux qui siègent là-bas pour trancher ce cas. Et en même temps, l'Éternel est celui qui donne la force à tous ceux qui continuent à intercéder pour la République démocratique du Congo. Celui qui va siéger là, il prendra une décision favorable à la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas secoués. Nous savons que l'Éternel a déjà répondu et l'Éternel va défendre notre victoire jusqu'au bout. Parce que ce qu'il a fait là, il n'a même pas fait pour le Congo. Il a fait pour lui-même. C'est pour l'honneur de son nom. Parce que les gens disent, mais ces Congolais, ils sont stupides. Comme à l'entrée de Laurent Désiré Kabila. On vient les envahir et ils sont en train de prier. Parce qu'à ce moment-là, on avait dit, je crois, à 12 heures, tout doit s'arrêter. Il faut crier à l'Éternel. Et ils survolaient la ville de Kinshasa. Ils disaient, oh, partout. Ils sont en train de prier, ils sont stupides. Même ceux qui sont en train de minimiser Félix. Mais la Bible dit exactement que
L'Éternel va choisir ce qui est méprisé, ce qui n'a pas de valeur, pour que quand il va réaliser ça, son œuvre grandiose, qu'on ne dise pas que c'est Félix. C'est effectivement ça. Ça ne peut pas être Félix. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Il ne faut pas quelqu'un qui vienne nous dire qu'il a ses diplômes, ou qu'il a étudié ici, ou qu'il est capable. Non! Oui, Félix sait ce qu'il est là. Pour que toute la gloire puisse revenir à l'Éternel. C'est ça que Dieu cherche. Pour que ceux qui ne le connaissent pas, ils vont se demander, mais comment ces Congolais qu'on allait déjà étouffer, comment est-ce qu'ils ont, ils ont échappé? Non, c'est l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, en qui on avait placé notre confiance. Lui que le Congolais appelle jour et nuit, c'est lui qui est venu à notre secours. Et c'est lui qui va donner la victoire aux Congolais à travers Félix. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être Fayulu? Nous savons que c'est un chrétien. Ça ne peut pas être lui, parce qu'en dernière minute, il s'est laissé acheter. Il s'est laissé acheter. Il sait ça. Il s'est laissé acheter. Et il sait qu'il veut défendre encore les impérialistes. Alors que Dieu nous a promis dans la Bible que ceux qui vous ont pillé seront pillés. Les étrangers ne vont plus dominer sur vous. Ça, c'est ce que l'Éternel nous a promis. Ils ne vont plus dominer sur nous. Ok, ils ne vont plus dominer sur nous. Juste un mot de la fin maintenant à tous qui nous ont suivis. Si vous avez un message de la fin. Et puis un autre message adressé au président lui-même. Son Excellence. Le message pour vous, c'est le même que pour Josué. Dieu avait dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, conduis ce peuple pour traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Fati, tu nous as conduits. Nous avons déjà traversé le Jourdain. Ta victoire à cette élection qui était difficile, tu nous as fait traverser le Jourdain. Maintenant, nous devons prendre possession. Quand Dieu donne, il faut prendre possession. Il y a encore des étrangers, il y a encore des ennemis dans cette terre. La Bible a dit ceci, que Dieu n'enlève pas tous les ennemis, parce qu'il y a des gens qui doivent apprendre le combat. Dieu avait dit qu'il y a des gens qui étaient avec Moïse, ils ont vu comment Moïse a combattu. Il y a des gens qui étaient avec Josué, ils ont vu comment il a combattu. Mais les générations après Josué, ils n'ont pas été formés au combat. Ils vont facilement perdre la terre. Voilà pourquoi Dieu veut que nous continuions à combattre. Nous sommes déjà dans la terre promise, mais nous devons prendre possession. Il faut que beaucoup de Congolais apprennent ce combat spirituel. Quand on combat, Dieu n'enlève pas tous les ennemis en une fois. À une élection ici en Afrique du Sud, moi je priais pour SDP. Mais aux élections, il n'y avait que le président lui-même qui était parlementaire. J'ai dit, mais Dieu, moi je croyais que tu allais donner le pouvoir au parti chrétien. Dieu m'a répondu dans la Bible. Je ne vais pas enlever vos ennemis en une fois. Parce que si je les enlève en une fois, le pays va être désert. À combien êtes-vous préparés? C'est cette réponse-là. Dieu est en train de nous former au combat. Nous devons prendre possession de la terre que Dieu nous donne, qu'il nous avait donnée et que nous avions nous-mêmes vendue. On va te rambo kango, bakabola mutuna mutoa zandam, bateka ki yango, batesa ki bisondam bote. Mais Dieu nous a dit, vous vous étiez vendus vous-même, vous serez rachetés sans effusion de sang. C'est ce que Dieu a fait. Donc mon président, nous sommes derrière vous. Nous sommes en train de prier et d'intercéder pour vous. Chaque jour, nous envoyons le sang de Jésus-Christ pour vous couvrir, pour vous rendre invisible à ces ennemis qui vous poursuivent. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit là où vous êtes, dans votre maison, tout ce qui vous appartient, dans notre pays. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir notre pays, puisse couvrir notre peuple, puisse couvrir ce président Kabila qui a ouvert une voie pour qu'il n'y ait pas de bain de sang. Ce que Dieu a fait chez nous, c'est la même chose que ce qu'il a fait en Afrique du Sud. À l'élection de 1994,
Il y a des gens qui fuyaient ce pays. Je sais, parce que c'est à ce moment que moi je voulais venir en Afrique du Sud. On me disait, mais tu ne vois pas que les gens sont en train de fuir. Ils vont se mettre en sécurité, ils attendent pour voir comment, qu'est-ce qui va se passer aux élections. Ils reviendront après. C'est exactement ce que Dieu a fait chez nous. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, croyez fermement à l'Éternel, vous serez établis. Croyez en ses prophètes, vous allez proférer. Mais les Congolais ne connaissent pas l'histoire spirituelle du Congo. Avez-vous entendu parler du prophète Simon Kimbangu, qui n'est pas seulement prophète pour les Congolais, qui est le prophète pour la race noire? Avez-vous entendu qu'il a dit que le pouvoir au Congo suit l'horloge, qu'il a commencé avec les Bakongo à 12h, qu'il est allé au Bangala à 15h, qu'il est allé chez les Swahili à 18h et qu'il continue, il est arrivé chez les Baluba à 9h. Mais les gens ne veulent pas que Moulouba dirige les Congo là. Mais, c'est aussi ça le problème. Bon, on a tué les Baluba au Bandundu. Ils n'ont pas le choix. C'est l'Éternel qui a dit. Ça, c'est la prophétie de Kimbangu. Kimbangu a dit que moi, Kimbangu, j'ai eu 4 enfants. Les 4 enfants là, ce sont les 4 langues nationales du Congo. Et il a dit, mes enfants, vous êtes des jumeaux, mais même si vous êtes des jumeaux, vous n'êtes pas sortis au même moment. Vous êtes sortis, le Mukongo est sorti, le Mungala est sorti, le Muswahili est sorti, le Muluba est sorti. Et ce sera dans cet ordre-là. Le Muluba va régner. Vous avez entendu aussi, j'ai entendu que Walesa, c'est le Kabundi Walesa, dans leur montagne de prière, même pas au Congo, ils priaient pour le Congo avec le drapeau du Congo et ils ont vu apparaître les couleurs du Congo et l'arc-en-ciel. Quand il a dit l'arc-en-ciel, j'ai dit, c'est l'accomplissement de la prophétie de Kimbangu. Parce que Kimbangu a dit, le gouvernement de Baluba, ça sera le gouvernement arc-en-ciel. Les pluies diluviennes, les orages, les ouragans qu'on a eu avec les autres, ça c'était. Maintenant, c'est l'arc-en-ciel, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est le développement. C'est maintenant que le Congo, dont Lumumba avait rêvé, c'est maintenant que ça va commencer. Pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. Vraiment, nous vous disons merci vraiment pour cette belle exhortation et pour cette intervention qui a plu presque à tout le monde. Ce qu'on s'est appelé dans votre c'est que vraiment, vous avez tout mis ça là, Mabé. Croyez vraiment à ce que maman, docteur Kankou vient de dire. Vous qui vivez encore, qui continuez à vivre dans l'ignorance, Saint-Félix, c'est ce qu'il dit le président de tous les Congolais, le président des Baluba, des Bakongo, des Baswahili et des Bangala. Arrêtez de le combattre, par contre, soutenez-le. Alors, merci, à la prochaine. Prends courage, mon président.